Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous poser une question. Quel est ce fardeau dont nous parle Jésus? Peut-être que c'est bien le poids de notre péché, notre aveuglement, notre endurcissement de cœur, notre égoïsme, notre volonté de nous accomplir nous-mêmes, en nous fermant à la présence de Dieu et de ceux qui nous entourent. Jésus, au contraire, vient pour se révéler et à travers lui révéler le Père. Il nous propose de prendre son joug. Ce mot pourrait nous faire peur. Est-ce que Jésus veut nous mettre en esclavage? Non, au contraire, il vient pour nous libérer du poids de nos péchés, nous libérer de notre peur, notre manque de confiance envers Dieu. Il est là pour rendre visible la main que Dieu tend à l'humanité, pour la tirer hors de ses abîmes et lui permettre d'entrer dans ce royaume de lumière et d'amour qu'est le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, que notre prière soit une action de grâce pour l'amour que Dieu a pour ses enfants, et soyons à notre tour aussi des témoins de l'espérance que Jésus nous donne. Amen.